Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Nous retrouvons notre famille qui est en pleine... qui n'est plus... Oula, ma pauvre Frida! Il t'arrive des malheurs. Je pense que, honnêtement... Bon, allez, elle descend. Tu vas prendre une douche avant. Puis tu vas aller aux toilettes. Tu vas manger. Comme ça, tu te seras prête. On est mercredi, il est 6h du mat. Et il y a école pour à peu près toute la semaine là, quoi. Non, mais... Enfin, oui, si tu veux, vas-y, joue un peu. Ah, c'est dur, la vie. C'est Heidi, celle-là. Ouais, oui. Je sais plus, moi. Bon, va manger. Allez, et tu t'amuseras aussi. Oui, tu vas manger deux parts de gâteau quand même. Hein. Harold, mon petit Harold, lui, il est déjà en train de se servir. C'est bien. Et les parents dorment. C'est vrai que Louis est devenu un vieux dégueulasse. Ses jours sont maintenant comptés. Voilà. Il a que 54 jours. Hein. Il est jeune. Hein. C'est triste. Hein, hein. Et Sims, elle a quel âge? Bon, on ne sait pas. On verra quand on atteindra le stade âgé. Loki dort. Mais t'as... Mais tu manges... Elle mange pas, elle. Mais ils sont buggés. Ça commence... Alors, j'ai pas joué depuis quasiment 2 semaines. Bah oui, parce qu'il faut que... Fallait que j'avance absolument. Parce que je suis pas forcément dispo tout le temps. Et voilà comment je les retrouve. Ils font n'importe quoi. Toi, tu vas y manger aussi, hein. Frida, qu'est-ce que tu fous? Mais Frida, t'es sérieuse? Eh mais... Ah, je vous jure. Mais oui, gâteau. Voilà, il y a encore une part de gâteau. On va manger le gâteau. Par contre, ouais, il n'y a plus grand-chose. Ah, mais elle avait fait un... Ah, là, je m'en souviens plus. Il n'y a plus grand-chose dans le frigo. D'accord. Maman, il va falloir que tu te remettes au boulot, hein. Tiens. Oh, SOS pour un SMS. J'ai envoyé un SMS à quelqu'un, mais il n'a pas répondu et ça me fait environ 1 heure. Oh là là, 1 heure, ça va. Oui, peut-être qu'il n'a pas reçu le premier. Non, attends sa réponse. Allez, vas-y. Ouais. Manger gâteau. Chibelle, tu vas faire à bouffer. Ah bah. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas nous foutre le feu? Oh là là. Aussi... Bon, après, on a le truc anti-feu hein, qui est dehors, hein, normalement, donc... Oh non, Louis! Oh non, Louis! Bon, il est encore vif. Hein. Il fait des bisous à sa femme. Hein. Si belle qu'on dirait toujours être. On dirait toujours qu'elle est adolescente. Tu peux aller aux toilettes, vas-y. Bon, ça y est? Ah, Igor, il dort tout le temps! Viens ici, Igor! Ça pue! Bon, c'est super. Shimben, tu vas mettre. Pire, la gamine. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah d'accord. Elle met toute seule son... Ok. Non mais c'est bien. Hein, moi j'aime bien si les gosses ils sont bien appris comme ça. Maman, tu vas faire à manger maintenant. Tu vas servir le petit déjeuner, des toasts avec des œufs. Puis tu vas refaire. Tu vas cuisiner autre chose. Tu vas cuisiner des macaronis au fromage pour tout... le monde, comme ça on aura quelques plats d'avance de près. Ah putain, mais... Louis! Oh là là! Mais mange ça, idiot! C'est quoi ça? Et je vous jure, hein, c'est pas de tourpeau, hein. Il y en a des fois, on leur dit de faire ça, ils le font pas, bref. Voilà, on gère comme on peut, hein, c'est les Sims. Bon, il sait encore être sexy, notre vieux Louis. Alors, ça fait un bout de temps, on va l'envoyer pêcher. Merde, c'est par où? Oui, c'était là. C'était là qu'il y avait de la pêche. Ah non, c'est là. Cours de sport, on s'en fout. Alors, on va chercher un appât. On n'a plus de... On n'a plus de grenouilles. Au secours, nous n'avons plus de grenouilles.
Oh, mais arrêtez un peu de nous harceler. Quoi de neuf, docteur? Igor est malade et a vomi dans le hall devant tous les élèves. Il est à l'infirmerie. Miam! Ben, vous lui ramassez ce qu'il a vomi et vous lui servez à midi. Merci. C'est Nawak. Bon, ben, papa, tu vas venir creuser à la recherche d'un trésor et creuser. Ce qui c'est bien aussi, c'est qu'on trouve du. Oh, il y a plein de trucs. On trouve des grenouilles. Oh, mais il y a bouffé ici. Dans le parc. 1447 de droits d'auteur pour Cybèle. Et c'est plutôt pas mal, ma belle. Mon Cybèle, je lui fais faire pas mal à bouffer parce que vous avez vu, il n'y a plus rien. Et comme ça, il y aura toujours à manger pour tout le monde, quoi. Tu m'avais l'air un peu cracra, mon petit, mais non. Ça a l'air d'aller. Alors tu vas jouer après avec lui. Ouais. Voilà, comme ça, hop, on met au frigo. Il en a rien à foutre. Oh non, ou alors c'est buggé, je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu buggé quand même, hein. Une grosse friandise. Tu vas faire connaissance avec. Ouais, c'est archi buggé. Et puis, vous allez faire un petit. Vous allez courir. Comme ça. Ça lui fera faire du sport à elle et à lui aussi. Oh, c'est buggé. Ouais. Voilà. Faire connaissance. Oh, il est trop chaud. Un petit coup de brosse. Dépêche-toi, si belle. Ah, et la grosse friandise. Et maintenant, vous allez courir. Et zou. Et voilà. Ah bah elle pue déjà, la vache. Elle pue sa mère. On est mercredi. Bah il n'y a pas de courrier normalement. Bah oui, je sais pas. Rentre à la maison. Je sais pas. Il est où le cucu? Elle est où la tête-tête? Je vais prendre le courrier. Oh Mazette! Mais non, t'as pas déjà fini ton jogging? T'es dégueulasse, si belle. Oh, elle fait peur. Oh. Alors, c'est quoi qu'il a? Ah ben non, je suis pas sur le bon perso. T'as récupéré quoi? Ça? Une pyrite, non? Je ne sais pas. J'ai pas compris là. Le truc qui queen, c'était quoi ce bruit? D'accord. Ah bah c'est ça, il a ouvert. Oui, mais je veux que tu ouvres celle-là aussi maintenant, Coco. Allez, Louis! Elle est où la balle? D'accord, c'est une balle quoi. Vas-y, va prendre à ton chien à faire ça et on sera bien. Frida a rencontré Amir. Miam miam. Igor a rencontré Guillaume. J'avais cru que Igor avait rencontré Igor. Frida, t'as l'air de faire des connaissances sympathiques quand même. Amir. Oh, Gabriel. Oh. Oh, mais il y a du potentiel là, dis donc. Eh, mais en fait, elle connaît du monde. Oh, lui, il est déjà adulte. Mais on va peut-être inviter les deux là. On peut voir de quoi ils retournent, s'ils sont beaux gosses aussi, parce que pour faire une présélection quand même, de garçons ou de filles, pour savoir si c'est Harold ou Igor qui sont sélectionnés pour la prochaine génération, va falloir bientôt commencer, parce que les garçons deviennent ados dans 2 jours, hein, j'ai regardé. Voyez, voilà, 2 jours. Donc ça va pas tarder. Le hasard fait bien les choses. Frida revient en cours avec son ami. Amir et Justine.
avec Igor, Emma. Oh là là, Heidi, Amir aussi. Allez, bah moi je vais vous dire, il y aura du monde là. On va faire pause tout de suite. Donc voilà notre marmaille. Et où sont les amis? Des fois ils viennent pas. Hein. On sait pas trop où ils sont. Ils sont censés être là, mais ils sont pas là. Moi je vois pas de copains. Je leur dis oui, mais ils ne viennent pas. Va t'occuper. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh là! Non, ça ne va pas. Elle saute d'humeur. D'accord. Va pisser, ça te soulagera. Oh, il est là! Ouf, il est. Oh, c'est quoi? C'est même pas des chaussures. C'est des chaussettes ou c'est des chaussures qu'il arrose comme ça? Oh là! Oh là! Monsieur, faites-moi voir vos visages. Alors, il a les pommettes quand même un peu sorties, mais il est pas mal. Récré solitaire. La dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. J'ai dû rester dans mon coin. Si ça arrive de nouveau, que dois-je faire? Demande à nos enfants de te rejoindre. Va le dire à l'instituteur. Bon. Ouais, contrôle des émotions, j'ai jamais été bonne. Hein. Non, 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 mais Frida, appelle-le. Où sont les femmes? Où sont les autres? Ah, tu joues au basket, ma belle. Fais connaissance avec Amir. Oh là là, mais ils arrivent même pas à se parler, ils sont face en face quoi, les Sims, ça, franchement. Minimiser le stress. Bon, il aime bien le rose hein, quand même, entre les chaussures ou chaussettes, je sais pas. Le bracelet, la bande sur le t-shirt et les boucles d'oreilles. Il aime bien. Oh là, ça passe pas. Il est klepto, mais c'est génial. Bon, c'est mal barré. Oh, c'est quoi cette petite blonde là-bas? Attendez. Enguerrand, non, va te faire mettre. Harold. Harold, qu'est-ce que tu fous? Mais non! Il y a une petite blonde à la maison. Viens la draguer. J'ai vu une blonde, c'est pas à nous. Elle est pas à nous, celle-là. Elle est là. Justine. Parler de son animal préféré, faire l'imbécile, parler de l'école, toi aussi, allez, parce que parler des jouets, faire connaissance, raconter une histoire inventée, parce qu'on va pas se moquer de la tenue. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est une fille aussi! Ah merde, je croyais que c'était un garçon, moi. D'accord, c'est un look, faire connaissance, demander comment s'est passée la journée, et Harold aussi, bah oui, hein. Oh, bah tu vas faire une présentation parce que tu ne la connais pas. Ouais, elle a fait son caca nerveux, Garance. Elle est triste, mais franchement. Ça part en couille hein, ici quand même. Toi aussi, tu vas dire bonjour à Amir. S'extasier sur le trait de devenir adulte. D'accord. Ouh là là! Ouh! Tu peux l'éduquer, si belle ou pas? Ah non, tu vas faire une école. Ah, il a piqué un truc! Il nous a volé un truc, le bâtard! Il est sérieux? Je sais pas ce qu'il a volé. Alors, par contre... on peut pas être méchant avec lui. Créer des mots interdits. Critiquer un autre sim. Ah bah non, bah je sais pas. Non, non, on va pas critiquer. Je sais pas trop, en fait. Mais j'en reviens pas, il nous a piqué un truc. Elle est enragée, Garon, ça va nous claquer dans les pattes, quoi. Oh là là, ma cocotte, je sais pas, mais... joue à l'ordinateur. Mais Heidi va pas... Ouais, c'est ça. C'est un peu le bordel, là, j'avoue, il y a un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font là, les garçons? Je vous avais dit de parler à la fille. Ah. Dakine à propos des notes. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Igor va discuter avec Emma. Non, non, mais dis donc. Traiter. Oh là là, il est sympa ce gosse. Discuter des centres d'intérêt.
parler des jouets. Non, non, il faut que tu sois sympa avec les... Les Sims, quoi. Un plus de choix, parler de l'école. Mais non, mais des trucs sympas. Raconte une blague, faire l'imbécile. Ah, il a envie de pisser! Merde, il va se pisser dessus, ce con. Il y a un truc comme moi. Oh, il pue! Il pue, il doit pisser. Très bien, j'ai compris. Tu vas pisser avant et prendre une douche après. Voilà, c'est bien. On est bien. Il est toujours... Mais c'est pas possible, Loki! Mais Loki, on vient de la voir! Oh non, non, je vous dis, c'est d'une tristesse. Moi, je ne suis pas contente. Hein. Mais elle aussi, ça va pas. Mais cachez les couilles, bon sang! Ah, les ados, hein. Ça, c'est être parent qui fait chier. Bon, après, les ados, c'est chiant aussi. Hein. Moi aussi, j'étais ado à une époque, je devais être bien chiante. Hein. En croire ma mère, c'était pire que Loki. Hein. Bon, Simel, tu vas refaire à bouffer. Gombo? Ouah, de l'insecte! Tu vas faire les boulettes de viande, j'aime bien les boulettes de viande. Ah, tu vas aller au pipi, toi. Ah, je suis obligée de les gérer tous, ils savent pas se gérer eux-mêmes. Lui, il va pas très très bien. Ta copine, elle joue à la poupée. Tu peux quand même lui parler, hein, je sais pas, moi. Frida, t'en as fini avec Amir? Demandez de regarder l'élevage, allez. Si elle fait, elle était encore en train de... Oh là là! Et lui, je vais avec les ordures. Alors ça, tu vas le ramasser. Et tu vas jeter. Et tu vas jeter. Voilà. Ah, la fille, elle est génie. C'est bien ça. Mais regardez-moi, Loki, les vieux. J'en ai marre. Les chiens, ils partent trop vite. Mais il apprend par contre au premier truc qu'il a appris quoi. Il est parfait ce chien. Résolument parfait. Oh là là, l'anniversaire de Frida déjà qui va arriver, je vais regarder ça. Oups, je vais regarder. Tu vas faire tes devoirs. Oh merde! Oh merde! Bah oui, c'est maintenant. Enfin c'est maintenant, c'est quasiment maintenant on va dire. Ah c'est enguerrant. Non, on va pas... Non, non. Elle, elle mange. Je sais même pas si elle avait faim, Cybèle. Non, elle a pas faim. Bon, bah t'arrêtes de manger. Pour la peine, tu vas être faire un footing parce que t'as mangé alors que t'avais pas faim. Je t'avais juste demandé de... Mais elle a fait... Elle a pas fait un plat. J'ai pas compris. J'ai pas compris, les enfants. Ah, la pute. Elle a fait à bouffer que pour elle, cette idiote. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, heureusement qu'il y avait à manger. Hein. Bon, ça y est, tous nos petits invités s'en vont. Comme ça. Voilà, et j'ai demandé aux gosses de faire leur devoir. Donc, du coup, ils vont tous s'y mettre. Et c'est bien. C'est même très très bien. Repas équilibré. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre. Oh, mais c'est toujours la même chose. Voilà. Alors, Igor, on avait bossé un peu sur ses traits de caractère. Pfff, mon petit. Tu vas jouer avec le kit médecin, toi, mon gars. Tu vas pas comprendre. Hein. Allez, kit médecin, kit médecin, kit médecin. Joue au docteur. Joue au docteur. Toi, tu vas jouer après avec émotion. Oui, hein, s'il vous plaît. J'aimerais... J'aimerais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, hein. Toi... Tu vas manger, mon petit. Il est pas très bien, Roldan. Hein. J'ai oublié qu'on l'avait mis fou. Voilà, il est fou. Bon, contrôle des émotions, elle est pas GG, Heidi. Elle va aller courir pour se vider l'esprit. Parce que ça, on peut le faire que quand ils sont ados, donc on va le faire. Oh, punaise, par contre, elle, contrôle des émotions, c'est nickel. Par contre, c'est résolution de conflit. Elle est pas GG. J'aurais tout. N'importe quoi. Tu peux être amical, avoir une conversation profonde. Je sais pas, il y a plein de choses sympas à faire avec sa sœur. Hein.
Comment s'est passée la journée? Être sympathique, on va dire. Ça devrait remonter tout ça. Peut-être. Par contre, les manières, c'est pas trop ça, quoi. Oh, tu vas faire le ménage. J'aimerais que tu jettes tout ça. Oh, mais la tête qu'elle a, quoi, elle est enragée. C'est un truc de fou. Par contre, au niveau responsabilité, elles sont top, hein. Mes Sims sont hyper responsables. Oh, ça y est, Frida. Oh my god. 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 Faut faire un gâteau. Vite, 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 vite. Allez, un gâteau blanc. Oh là là, Frida, elle clignote déjà. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Et les garçons sont toujours à 2 jours. Punaise. Oh my god. Tiens, tu peux te débarrasser de ça. Tu peux ranger ça. Et Garance, t'as oublié de faire tes devoirs, cocotte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des conneries. Allez, papa, tu fais le gâteau, s'il te plaît. Et puis notre Frida, bon ben. Ben, va pisser, meuf! Qu'est-ce que c'est bête, elle aussi. Va pisser. Va pisser. Au lieu de regarder ton téléphone, savoir si ton mec t'a répondu. Oh 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 oh, le gâteau. Le gâteau est prêt. Et bougies. Oui. Yes. Et pouf, des bougies. Allez, Frida, c'est ton tour. Tu vas pouvoir venir ici. On va faire venir tout le monde parce que c'est quand même l'anniversaire. Toi, t'arrêtes de dormir et tu viens ici. Toi, tu viens ici. Toi aussi, tu viens ici. Je sais pas quelle heure il est. À 23h. Allez, c'est pas grave, les enfants. Venez tous fêter l'anniversaire de votre grande sœur. Qui était notre déception, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on attendait des enfants, et on n'en avait qu'une. Ah mon dieu! Louis! Il est en train de péter la maison! Par contre, j'adore, quoi. C'est super bien fait. Saloperie! Et voilà, et ben, c'est bien, tu sais quoi? Tu vas la refaire. Mais non, mais... Si belle! Viens là! Frida! Viens là aussi, alors! Allez! Soufflez les bougies! Est-ce que tu vas mieux, Garance? Ouais. Tu vas... Ouais, ils vont tous se coucher, bon, on s'en fiche. C'est pas grave, ce sera que les parents et nous, les témoins de sa transformation. Bon, pas trop, parce qu'elle va quand même juste devenir la Jason Luke, quoi. Happy birthday, Frida! Alors, nous l'avions mis à la bibliothèque. Membre d'un groupe de potes, elle est responsable. Ta-ta-ta! C'est la première fois que j'ai donc ça. Et on va les mettre à ce qu'on met un truc pourri. Enfin, quoi, créer une bibliothèque, c'est pas GG. Un truc de pote, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas. J'ai envie de mettre des choses que j'ai jamais mis, quoi. Ambitieuse. Je sais plus, j'ai l'impression d'avoir déjà mis quelqu'un, mais ambitieuse. Maladroite, non. Folle, c'est déjà fait. Délicat, c'est fait, il me semble. Ce serait dommage de mettre résistance à s'engager, sachant que si elle est choisie en tant que héritière de la génération, détester ses enfants aussi, ça va être chiant. Franchement, là, je peux pas vous demander de l'aide parce que d'ici là, vous voyez, bien sûr, j'aurai fini d'enregistrer. Snob, ouais, ambitieuse, allez. Ambitieuse et responsable. Ouais, happy birthday, Frida. À pouvoir... Qui c'est qui chouine? C'est Cybèle qui chouine? Tu vas chouiner? Va faire ton... Va faire crac-crac avec ton mari, tiens. Hein? Ça va vous faire du bien. Faut pas trop les rinter, par contre. Hein. Oh, j'ai les chiottes qui sont dégueulasses. Ah, mais c'est parce que j'ai Garance dans la baignoire qui se plaint. C'est elle qui se plaint. Elle va te coucher, Garance. Frida aussi, elle va se coucher. Bon, bah alors, Garance, tu vas pas être couchée. Tu vas nettoyer les chiottes.
Qu'est-ce qu'il a, Loki? Bah non, il est reparti faire sa life. Allez, on n'a pas que ça à faire, Garance. Tu nettoies les chiottes? Ouais, bah écoute, c'est comme ça la vie. Hein. C'est pas fait que de roses bonbons, hein. Il y a des nounours. On doit aussi nettoyer les chiottes des fois. Et pas que les siens, des fois. Non, mais c'était une métaphore complètement pourrie. Vous pouvez oublier. Bref, rejoignons nos amoureux. Voilà. Et prochain épisode, nous pourrons faire peut-être grandir. Oui, les garçons. Ça m'a mal barré. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Allez, salut!